Ça enregistre, là, ça enregistre. Et bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va et toi Toto? Salut Joanne. Bienvenue à ceux qui arrivent les gars. Bonjour YouTube aussi pour la rediff. Et salut Seb. Salut salut les gars. Bienvenue à ceux qui arrivent. Alors, des petites nouveautés les gars à dire. Hop. Ça enregistre. Ça c'est bon. Ça va nickel. C'est ce qu'il faut. Ça va quoi de beau? Bah, pas grand chose, hein. Pas grand chose, pas grand chose. Salut, tu t'appelles comment? Dylan. Et salut Tim. Alors, bon bah comme vous avez pu le voir les gars, il y a eu la mise à jour sur Farming. Et merde. Donc il y a eu une mise à jour, quelques corrections de bugs, mais j'ai remarqué qu'il en restait quand même quelques-uns. Donc je pense qu'on va pouvoir s'attendre à une nouvelle mise à jour. Et merci pour ton membre 13, Monty Florian. Merci beaucoup. Et merci Joey pour le follow. Merci beaucoup. Et ça va et toi, Monty Florian? Bonjour, Herbig Chicken aussi. Salut Joey. Bienvenue à ceux qui arrivent, les gars. Donc, j'ai l'impression quand même que graphiquement, il y a eu une petite amélioration. Il y a moins de petits bugs graphiques. J'ai pas eu de flash noir ou flash blanc. Pas trop eu de problème de texture, par exemple, en labourant. Mais je pense qu'il y aura quand même une autre petite mise à jour. Merci beaucoup pour le cœur, Strands. Merci énormément. Salut Noah, pardon. Ça va impec, merci. Bah, c'est ce qu'il faut, mon petit. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool qu'il y ait eu la mise à jour. Ça fait plaisir. Moi, de mon côté, les gars, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai sorti une petite vidéo. J'ai fini d'enrubanner. Bah, j'ai enrubanné les bottes d'herbe d'hier, du live. Et là, je viens de sortir une vidéo actuellement sur TikTok aussi par rapport à du labour. Vous savez, il y avait le défi du labour, les gars, proposé par Franchou. Donc, sur le dernier épisode sur YouTube, les gars, je crois que j'étais à 6 hectares et des bananes sur 8. Et il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas d'autres missions labour que celle à 12 000 euros avec le gros 9R. Et bon, il fallait absolument que je finisse ce défi. Il a pris beaucoup trop de temps. Et là, ben, j'ai réussi à finir le défi. Voilà. Donc le défi labour est réussi. Je l'ai même surdépassé parce que à la base c'était 8 hectares. Je suis à 13 hectares. Donc, et l'autre petite info aussi à vous dire, c'est quoi? À la base, on partait sur acheter le Fendt en télesco. Parce que du coup, vu que j'ai réussi le défi, ça veut dire que j'avais un télesco à moins 50%. Il s'avère que il y a mon petit télesco JCB que j'avais sur du Renrof qui est sorti. Bon, il a un bug, c'est-à-dire que sur la flèche, il y a une étiquette qui n'est pas mise, donc ça fait un vieux truc bizarre. Mais le gars a dit que, enfin, le modeur, il a dit qu'il y aurait une V2 dans les jours à venir. Donc du coup, les gars, bah, je suis désolé, mais je vais devoir prendre mon JCB. Enfin, c'est mon JCB quoi. Je l'ai eu depuis le début sur du Renrof, j'ai jamais pu m'en séparer. Est-ce que ça vous gêne ou pas? Mais moi, je veux mon JCB quoi. Et du coup, le JCB, bah ouais, salut Louis aussi. Ça va et toi Timéo, bienvenue à ceux qui arrivent les gars. N'hésitez pas à partager, à liker les gars et à vous abonner. On est déjà à 1 700 likes les gars, vous gérez, merci beaucoup. Donc voilà. Donc bah, je pense qu'on va partir sur le JCB. Le JCB, bah ouais. Bon, même s'il y a sur la flèche. Merci beaucoup Thibaut pour le donuts, merci énormément. Moi au moins j'ai pu prendre mon Manitou, bah tu vois. Prends le JCB, il est beaucoup mieux. Bah ouais, puis je l'ai tellement kiffé ce JCB sur du Renrof que voilà, quoi, je suis obligé de le reprendre. Salut Exotique. Donc voilà. Donc, vous pouvez valider si vous avez vu la vidéo TikTok qui vient de sortir sur la vidéo du labour. Le défi est réalisé et je l'ai réussi. Donc ça, c'est cool. En sachant que ça m'arrange d'un coup. Enfin, ça m'arrange. Oui et non, mais en gros, si j'avais le Fendt, le télescope Fendt, c'était 75 000 euros que je devais payer. Là, le JCB, il coûte 45 000 euros. Donc divisé par deux, je vous laisse calculer. Ça m'arrange un petit peu aussi. Voilà. Et oui, comment tu vas aussi, Exotique? Est-ce que ça va mieux par rapport à hier ou pas du tout? J'espère que oui, quand même. Bon, les gars, du coup, on va aller directement sur la game. Hop, et puis, bah, let's go. Hop, hop, ça c'est tout bon. Je vérifie un petit truc. Ok. Et normalement, il y a aussi Bastien qui est en vocal. Bonsoir.
Hello, hello! Comment Ça tu vas? va? Comment tu vas Ça fait longtemps, depuis hein? 15 h de Ça va et l'après-midi? toi? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Hop, ça on quitte, ça en est bon, ça en est bon et ça en est bon. Tu peux l'acheter neuf là du coup. Bah de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était prévu de l'acheter neuf, hein. C'est ta partie perso ou pas? Bah oui. Il est tout neuf, il était tout heureux à 15h. Ah ouais. Ah, là quand je l'ai vu, les gars. Waouh. Waouh. Ok, donc. J'ai actuellement 47 000 sur le compte. La mission bah, du labour, là, elle m'a rapporté 11 000 et des bananes. Parce qu'il y a eu la location du matériel. Normalement, c'est dans finance. Ouais, elle m'a rapporté 11 812. Au lieu de 12 000 et quelques, mais ouais, il y a eu la location du matériel. Donc voilà. Merci beaucoup, Seb, pour le gros GG. Merci énormément. Bah, des gros GG à toi. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc voilà. Donc les gars, qu'est-ce qu'on va faire de ce pas tout de suite maintenant sans perdre de temps? Tiens. Je sais pas trop. Vous voyez, il y a toutes les bottes qui sont là, bah, il va forcément falloir les ramasser. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie de faire ça. Non, on va pas le faire tout de suite parce que avant ça. Vu que maintenant on va pouvoir avoir le JCB, donc on va le payer 22 500 euros, étant donné que je l'ai à moitié prix, c'était le défi. Hein. Quelques trucs qui sont pour moi. C'est ça. Hop. Alors le truc qu'il y a, c'est que je me rajouterai ben, 22 500 euros après hors vidéo, du coup. Parce que ben, là, je peux pas rajouter les sous. On a vu qu'on n'a pas le mode Easy Development Control, je peux pas les rajouter. Donc il faut que j'aille trafiquer la sauvegarde. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas perdre de temps à rajouter les 22 500 euros sur le compte. Hein. Je vous le dis. Ce qu'on va se faire, bah, le JD, je le garde. Le petit JD, je le garde, les gars. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce que je vais faire, je vais vendre son bâti de fourche et je vais vendre tous ces trucs. Ça me fera toujours des petits sous en plus. Parce que là, bah, j'en ai plus besoin. Et du coup, bah, je vais moi acheter des trucs pour le télescope. Donc, ce qu'on va se faire, on va pas perdre plus de temps. On va tout charger. On va prendre le plateau. On va tout charger sur le plateau. Hop. Le plateau, normalement, il est là-bas. Et on fera pareil. On reviendra. Bah, le télescope, on viendra le chercher après. Mais là, au moins, on aura tout sous la main. Tu peux montrer ta ferme de haut car j'aimerais bien créer la ferme. Bah, pas tout de suite, désolé, mais là, il y a des trucs à faire. Il y aura peut-être la stabule que je vais finir peut-être par changer. J'en ai trouvé une un peu plus style ancien qui a l'air sympa en parpaing là. Ça ferait. Bon après celle-ci elle est sympa aussi mais elle fait vraiment neuf quoi. Enfin on va voir, on verra. Salut Damien aussi, là t'es heureux. Bah bien sûr que je suis heureux. Il y a mon JCB les gars. Il y a mon foutu JCB qui est revenu quoi. Ça c'est incroyable. Bon, mis à part le petit bug de l'étiquette sur la flèche, il est fonctionnel. Donc, bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Mais là, au moins, pouvoir charger mes palettes au JCB, enfin, au télescope, les bottes et tout, oh, je vais revivre. Parce qu'au tracteur, ça m'énervait. Hop. Bon, j'espère que vous n'êtes pas déçus du coup qu'il n'y ait pas le Fendt, les gars. Hein, mais moi, mon JCB, les gars, vous savez que. Que j'ai eu un gros coup de cœur. Je m'attends encore hein, dans les commentaires des vidéos et tout. Vends ton JCB, change de télescopique. Non, c'est mon JCB, les gars. J'ai raté quoi? Bah, pas grand-chose, le début du live, 10 minutes. Salut sur PC, oui. Salut toi aussi, tu as eu la mise à jour aujourd'hui, sinon, quels sont les nouveaux changements? Bah, les gars, si vous êtes malin, vous allez sur le mode hub et vous allez dans Update. Et il y a tout écrit en fait. Et je l'ai mis sur mon Discord. Il y a tout ce qu'ils ont apporté de la mise à jour. C'est sur mon Discord, les gars. CD ou Steam? Bah, Steam. Moi, j'ai pas de lecteur CD de toute façon sur mon PC. Bon, aïe. Bah, ça, on peut à la rigueur le laisser sur la fourche. Hop. Salut, tu fais quoi? Bah là, on va aller au magasin, on va vendre le bâti de fourche, la pince, le godet, les pics, le transpalette. Parce que je vais avoir mon nouveau télescopique. Hop.
Et là, c'est parti, c'est parti. Tac. On attelle, on sangle et on se casse. On se casse. Ok, ça tient, c'est tout bon. Sur CD, comment installer la clé de démarrage si une personne sait, merci. Bah normalement t'as la clé de. T'as la clé qui est bah, dans la boîte quoi. Derrière ou dedans. Il faut que tu l'installes et avant de lancer le jeu, normalement ça te dit C'est ça. activer la clé. Ça va toi le futur Agri? Là t'es pressé de ranger CB. Bah là on y va les gars. Là on y va. On va aller Ah, John chercher Deere, il va CB. jamais aller aussi vite, hein. Là le John Deere les gars. Vous inquiétez pas qu'il va rouler, moi je vous le dis. Je m'en fous des panneaux, je m'en fous des stops. Je veux mon JCB. Allez, on y va. Allez, accélère. Allez, allez, allez. Le temps est long là, allez. Merci aussi Strains pour les cadeaux. Pour, je sais pas, on dirait des confettis ou un papillon, mais merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Je compte sur vous. Abonnez-vous en masse, ramenez du monde, partagez un maximum. Je compte vraiment sur vous, les gars. On n'est pas loin des 12 000 abonnés. Hein. Ça stagne un peu, mais ça monte quand même. Ça va être à Quentin. En tout cas, graphiquement, il y a eu du progrès. Hein. La mise à jour a fait son taf quand même. C'est quand même beaucoup plus joli au loin. Les armes sont quand même beaucoup plus jolies de loin. Il y a plus cet effet un peu flou, bizarre. Cet effet aussi pixelisé. Ça... Non, franchement, graphiquement, ça va. Il a bien été corrigé. Il y a juste encore le bug des roues là. Par exemple sur la moto, bah, quand je roule vite, les roues sont un peu transparentes. Donc ça, je pense que ça va finir par être corrigé aussi. Tu gardes le JD? Ah, le JD, oui, je le garde par contre. Il aura plus de bâtis de fourche, mais je le garde. Alors, lui, il ira à la pailleuse, la mélangeuse. Il ira au traitement, au rouleau et compagnie, quoi. Ah oui, le JD, je le garde. Ça va, nickel. Alors, après quelques semaines de jeu, tu en penses quoi? Bah, franchement, ça va, hein. Il est quand même bien. Puis après, on va compter sur les modeurs aussi, les gars. Vous inquiétez pas, ça sera quand même un très bon farming. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais les traces de roues, vous savez, la déformation des traces de roues, ça a diminué. Et en fait, c'est par rapport au poids de votre matériel. Parce que tout à l'heure, j'avais le gros 9R, le gros 9R là, pour le labo. FRX. 9RX, ouais. Et Oui, bah lui faisait des énormes traces. Donc c'est vraiment par rapport au poids du tracteur. Donc c'est plutôt assez réaliste. Alors ça, vendre, oui. Ça, vendre, oui. Ça, vendre, oui. Il manque des trucs là. Ah ouais, faut que je recule plus peut-être. Non? Alors que je les détache. À moins que je sois pas dessus. Ok. Alors pourquoi ça marche pas? Peut-être que je recule un peu plus. Ou alors ça les détecte pas vu qu'ils sont sur le plateau. Ah si, voilà. Vendre. Oui. Ça, vendre. Oui. Et là, on est bien. 56 000 euros. Hop. Et maintenant, ce qu'on va se faire. À l'heure. Le volant qui tourne. Cette mise à jour a fait du bien, ouais. Comment ça, le volant qui tourne, Pierre? Alors après, apparemment, sur console, par rapport aux manettes, ils ont modifié un petit peu la sensation au niveau de la manette. C'est par rapport à la vitesse que vous roulez, donc c'est quand même assez réaliste. Il y en a plein que j'ai vu qui se plaignaient sur des groupes Facebook et tout. Il faut juste augmenter un peu votre sensibilité de vitesse de direction et ça règle le souci, les gars. Il est heureux comme un pape. Bah là, les gars, regardez-le. Bon, ouais, il y a juste ça. Vous voyez sur la flèche, les gars, il a pas fini. Il a pas fini. Même niveau texture, je sais pas, j'ai l'impression il fait un peu bande dessinée, ou je sais pas trop comment expliquer, mais bon, il a dit qu'il y aurait une V2 par la suite, donc vous voyez par exemple l'étiquette blanche là, ça va pas, et puis sur la flèche, bah, il manque le gros JCB quoi, donc bon, mais bon, ça va le faire quand même, il est fonctionnel. Donc acheter 45 000 euros, oui, en sachant qu'il faut que je me rembourse 22 000 euros, enfin 22 500 euros. Donc là, il est là-bas. Et là, on va lui prendre
Chariot télescopique, donc on va lui prendre ça. Acheter. On va lui prendre ça. À moins qu'il y ait autre chose, mais je ne crois pas. Ou alors ça, je sais pas ce que ça vaut. Ah, ouais, bon, allez, on va prendre ça. Ça a l'air d'être moins cher, peut-être, non? Ah, c'est le même prix. Mais il y aura peut-être plus de visu avec ça. Donc on va prendre ça. Acheter. Oui. On va prendre. Je sais pas ce qui est le mieux, si c'est ça ou si c'est celle-ci. 1005, 1006, ouais. Bon, allez, on va prendre la bleue pour avoir un peu plus de couleur. Acheter. Oui. Hop. Et un godet. Acheter. Oui. Voilà. JTB, il est sur King Mode, les gars. Sur King Mode, ouais, bien vu. Un peu plastique, je dirais. Bah, attendez, on va le voir, on va le voir en vrai, les gars. On y arrive, on y arrive. Alors, moi, j'avais réussi. Il y avait un mode de masse qu'on pouvait atteler ici. Bon, sans les masses, je pense que je vais galérer, surtout au niveau de l'enrubannage. Vous savez, si vous vous rappelez sur Durenrof, il y avait une grande masse que j'avais réussi à intégrer ici, là. Mais bon, on va attendre. Mais elle y est? Ah bon? Non, mais non, je demandais si elle était, j'ai pas écouté. Non, il est pas là. Elle y est pas. Après, en masse, je vois pas ce que je pourrais mettre là. Attends, si je descends, c'est quoi? C'est ici. À moins qu'il y en ait une longue. Ouais, non. Ouais, non. À moins qu'il y ait. Ouais, bah non, ça non. Ça non plus. Ça, bah non. Ouais, non, pour l'instant, j'aurai pas de masse. Mais bon, ça arrivera, je pense. Donc, ouais, le seul petit bémol, c'est ça, les gars. Oui, c'est, il a pas fini de mettre son étiquette. Mais bon, pour l'instant, ça n'empêche pas de jouer. Il est fonctionnel, tac, tac. Il y en a un tout à l'heure qui disait que la flèche est très, très sensible. Bah, moi, je trouve pas. Hein. Ça va, en vrai. Tac. La vue intérieure, bah, toujours la même, les gars. Ça va pas changer. Donc, non, franchement. Ah, je suis content, quoi. Je suis vraiment content, les gars. Merci pour les 3000 likes les gars, merci beaucoup et bienvenue aux 44 personnes. On n'hésite pas à s'abonner, à partager un maximum, ça fait plaisir. Là on va juste faire ça, vous savez avec moi la FOV j'aime bien quand c'est prêt, quand je vois bien, c'est beaucoup plus stylé. Tac! Et là c'est pas beau là? C'est pas beau les gars? Et de toute beauté. Ah par contre je l'ai pas pris en pneu large, mince. Pourtant, il est stylé en plein argent. Mince, mince, mince. Attendez, est-ce qu'on peut pas corriger ça maintenant? Tu peux le modifier au magasin. En pneu large, j'aurais peut-être plus de stabilité. Putain, merde, il est pas long. Alors, attendez. Il faut que je re-recule. Et que je me mette. Est-ce que c'est toute la longueur ou pas là? Pire, je vais essayer de me caler ici. Tac. Il y a plusieurs choix de pneus. Pourquoi je le vois pas? C'est quoi ce bordel? Bah. On peut pas être dans la zone. Je suis pas dans la zone. Oh putain, j'accroche. Ça y est, il est neuf, je l'ai déjà rayé. Ça y est, toi, Albinox. Plus qu'à lui mettre des heures au compteur. Ah bah là. Salut Quentin aussi. C'est le JCB ton coup de cœur chef. Bah ouais, même sur Durenrof sur FS22 les gars, j'avais lui. Hein. Alors moi je le trouve incroyable perso. Après il y en a beaucoup qui l'aimaient pas, mais moi je le trouve vraiment trop bien. Bah, je vais décaler lui. À la rigueur je vais me foutre là-bas, ce sera quand même plus simple pour charger. Mais ouais, j'ai l'impression que je peux pas le reconfigurer. On va voir. On va voir, on va voir. Ok. Donc, est-ce que là je vais y arriver ou pas? Trop stylé ton contenu, continue comme ça. Merci beaucoup Albinox. Et salut Estagri. Non, ça veut pas moi aussi. Ah ouais, tu peux pas non plus? Putain, merde, fais chier. Je vais réessayer, mais. Bon, après, c'est pas grave. Ah ouais, non. Alors, j'ai mis un mode, je crois que quand on revend, on perd. Ah non, mais c'est que pour les bâtiments ça. Alors attendez, tac, non, ah, je sais, je suis perdu à chaque fois. Non, ça doit être là, véhicule, JC, JC, JCB, je le revends à 38 000 Hirt.
Il faudrait que je fasse mes calculs. Parce que. Donc, attendez. Je l'ai acheté 45 000. Je le revends 38 000. Donc, 45 000 moins 38 247. Ouais, je calcule, les gars. 247. Ça fait 6 753 euros à me rembourser après. Ok. Donc, en plus des 22 000, il faudra que je rajoute les 6 000. Parce que j'ai quand même envie de l'avoir en pneu large. Vendre. Oui. Je peux pas mettre un pneu large de toute façon. Ah bon? Si, 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 si. Tac. Non. Tac. Ah, il est Il est en où? solo, Damien. Tac. Et là, je peux le mettre en... Attendez. Là, c'est plus Attends, pas large, assez non? de sous là. Ah, c'est plus lourd. Ah merde, il me reste que 42 000, moi. Oh, oh le con. Ah, attendez. Au pire, tu peux le louer et tu... Bah non, parce que je vais déjà commencer à lui mettre des heures, tu vois, donc. Et... En vrai, si je le mets en pneu comme ça, les gars, c'est stylé ou pas? Les graphiques sur le 25, c'est trop beau. Je peux pas mettre pneu large de toute façon. Bah si, j'avais vu des pneus larges moi tout à l'heure. En BKT, je crois que c'est pas mal. En BKT là, ouais, c'est pas mal comme ça. Que vous en pensez comme ça là. Bon, du coup, il va falloir que je quitte la game et que je la relance parce que pour rajouter des sous. Quand tu l'achètes une fois après, tu l'as en réduction, je crois. Je crois pas, non. En Ah bec. si, je crois qu'il a peut-être raison. Ah bon? Bah, sur l'ancien, dès que tu vendais un truc, tu l'avais en réduction. Non, ça c'était un mode, les gars. Hein? C'était un mode, ça. Ouais. Je crois pas, hein. Bon, attendez, je vais. Si, si, c'est sûr. Je vais sauvegarder. Je dois quitter, les gars. Il faut que je rajoute, du coup. Parce que là, mais du coup, finalement, je peux pas le racheter. Donc, il faut que je rajoute. 22,5 plus 6 je sais plus combien c'est exactement, 6 247 je crois. 147, il faut que je rajoute 28 747. Alors non, c'est pas ça, c'est ça. Viens là toi, tac. Document My Games Farming Simulator 25, save game, non, 1. Farmland, ouvrir avec bloc-notes. Non, pas farmland, farm plutôt. Bloc-notes. Et donc, il faut que je rajoute 20. 8 000, ok. Plus 42 995. 42 995. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc en total, ça fait 71 742. Hop, 71 742. Voilà, c'est tout ça, c'est tout bon. Enregistré, oui. Alors désolé, vous voyez rien, les gars, c'est juste le temps que je le fasse. Tac, tac, ça va reprendre. Ça va et toi, Titi? Ah merde, je croyais, mais après, je crois que ça marche que sur le véhicule de base. Bon, sur console aussi, avant qu'on vendait, c'était en réduc. Ah ouais, je crois que c'était un mod, ça. Et merci Florian pour les donuts, merci beaucoup, mon petit Florian. Et salut Steve aussi. Bienvenue à ceux qui arrivent, les gars. Bon, le temps que ça redémarre, je cache vite fait la cam. Hop. Tac, tac, tac. Hop, hop. Et hop. Et bienvenue aux 65 personnes, en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, les gars. Je compte sur vous.
Salut Kevin. Bienvenue à ça qui arrive. Alors. Bon là vous voyez encore écrit 42 995, c'est normal, hein, c'est que c'est pas pris en compte sur l'image. Merci Kevin pour le follow, merci beaucoup. Alors, là on a bien normalement les 71 000, alors voilà, impeccable. On revient ici. Et du coup, merci DZ pour le follow, merci beaucoup. Hop, la caméra. Là. Je vais manger, je reviens, pas de soucis, bon app. Donc. Hop. Du coup, faudra que là, je rajoute. Bah, j'aurais dû les rajouter tout à l'heure, en fait. Je suis bête, moi. Parce que là, il faut que je rajoute encore 22 000. Ah bah non, je les ai rajoutés. Ah, je sais plus, j'espère que je me suis pas perdu dans les calculs, là. Ouais, on va les mettre en BKT, c'est sympa en BKT. Acheter 45 000, mais vu, bah, mais non, vu que j'ai rajouté, bah non, c'est bon. Ok, donc là, il est là. Ah, tac, tac, tac. Non, c'était pas ça. C'était ça. Voilà. Pourquoi quand j'appuie sur reculer, ça recule pas sur manette? Bah alors là, bonne question. Le volant. Tac, tac. Ah, j'ai le volant qui est encore super dur. Ah! Pourquoi ça fait ça encore? Hop. Oh, j'ai le volant. Merde, il y avait un truc là? Ah bah. Ah, j'ai le volant qui est super super dur. Voir que je règle le volant là. Ouvre la porte du télescope s'il te plaît. Bah, je sais même pas si on peut l'ouvrir. Ah, j'avoue que sur le 22 on pouvait l'ouvrir, mais on n'a pas encore en lycée, tu me diras, donc c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. Tac. Mode le télescope. Oula. Salut mon petit Vincent. Ok. Oh, charger les palettes avec ça, ça va être bien. Ok. T'es en multi, non? Vas-y, à plus, bon live. Pas de soucis, Albinox. Bonne soirée à toi. Bon bah écoutez, on va rentrer avec le télescope. Il faut juste que je redébranche encore le volant parce que là il est super dur. Hop, ils se remettent. Ton volant il a bug, ouais. Tu as acheté lequel du coup? J'ai acheté lequel quoi? Est-ce Télescope, bah tu le vois là quand même, non? qu'on... Ah oh, putain, le volant qui bug. Oh putain, ça m'énerve ça. Sans déconner. Non. Là maintenant, il est trop mou. Ah, c'est chiant, je vous jure. Je comprends pas qu'il garde pas les paramètres tout le temps. Hein. Le volant, moi, ça me le fait des fois au début de la partie. Ah ouais, non, mais moi, c'est relou, quoi. Même quand je démarre maintenant, avant. De toute façon, là, ça va encore bugger parce que. Ah non, là, c'est bon. Ok. Allez, on va y arriver. On va mettre les gyros et on rentre au bercail, les gars. Ah, j'ai l'impression d'être sur du Renoff, là. Oh là là, les souvenirs. Imagine demain il y a la map du Renrov qui sort. Bam! C'est le cocon sur bref. Ah là c'est le cocon sur le La Renrov. life. Oui.
Hein? Salut. Tu as reconverti des modes? Bah non. Non, non, c'est les modes Ah, qui je n'ai sortent. plus reconverti les modes. J'ai essayé une fois, moi, de modifier un mode. Je me suis retrouvé Oh, sans j'aurais sans jantes. les roues du tracteur. Voilà, sans jantes sur le tracteur, donc j'ai abandonné. Hein. Ah ouais, c'est dur. On insiste comme ça à l'entreprise, ils sont top, aucun problème. Le JCB là? Ah, moi je le kiffe ce JCB. T'as une bonne visu et tout là. Pop, 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 pop. Oui, le JCB, ah ouais. Sont sponsorisés carrément. Et pourtant, sur du Renrof, les gars, il y en a nombreux qui m'ont dit vends ton télescope, vends ton télescope. Il y en a qui l'aimaient pas, mais moi je l'aime bien. Il est vraiment top. Oh, à la fin, il avait plus de frein, je crois. Ah ouais. Bon, en même temps, pour un télescope, je l'avais mis des heures. Salut, il est disponible sur console, JCB, non. C'est que PC, les gars. Hop. En tout, on a 13 JCB. Ah ouais, mais qu'est-ce que vous faites avec autant de télescopes, sans déconner? Ah, là, je le vois graphiquement, il y a vraiment eu du mieux. Franchement, c'est top. Salut mon Dylan, à le retour du fameux télescope. Bah oui. Bah oui. Eh oui. Ah bah oui. Ah, je suis Ça joue à désolé, rien, hein. on aurait pu voir le fan. Vous aurez presque pu voir le fent, mais il arrive aujourd'hui. Ça aurait été beau, hein. Et j'ai réussi. Bah là, du coup, là, j'ai charbonné le défi. Hein. Cet après-midi, j'ai fait 1 heure d'abord. Pas eu le choix. Ok, par contre, là, ouais, on va pas faire la connerie de partir sans Franchement, s'enlever. je connais-tu? Ah, le volant qui s'est C'est redéconnecté. Oh là 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 là, je te jure. la... C'est la fin. Je te jure, ça m'énerve. Moi, il fait pas, ça va. Rien de ça, putain, mais. Ah, il est à la retraite, ton volant. Ah non, mais ça m'énerve. Il garde pas les paramètres de farming. Ça me saoule, ça me saoule. Ouais, il partage pas la save sur cette partie. Sur ce. Non, pas sur cette game, les gars. Sur cette game, je la garde pour moi. Et là, ça va Je encore crois que tu bugger. y rejoins ton Discord, Ah, non? mais Ou ça va. sur YouTube, vous pouvez. Vous êtes à fait une ferme. Comment ça se fait qu'il se déco? Bah, si je le savais. En fait, il garde pas mes paramètres. Tu vois, là, j'ai un petit peu de force, tu vois. Et il y a des fois, bah, il garde pas les paramètres. Donc, il suffit juste que j'aille dans le magasin. Hop, bah, il s'annule. Et puis, du coup, il est tout mou. Et là, ça va. Ah, il est un peu colérique, ce volant. Et merci, Booster, pour la rose. Merci beaucoup. Merci de demander. Ça va un peu mieux. Bah, on t'a demandé en début de live. Moi j'ai un G920 et jamais eu de soucis. Bah tant mieux pour toi. J'ai le G920 et moi il fait que se déconnecter de. Enfin, mes paramètres que j'ai configurés pour lui, ils font que se déconnecter. Autant changer de volant. Bah non, je peux quand même pas dépenser encore des sous là, alors que j'ai d'autres trucs à acheter. Voilà, il fonctionne, c'est juste le temps qu'il accepte quoi. Oui. Ça va et toi? Bah écoute, ça va nickel. Hein. Tu as commencé à quelle heure? Bah à 19h les gars, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. En tout cas, n'hésite pas à s'abonner les gars, je compte sur vous. C'est quand que Bastien vient sur ta partie? Bah je sais pas, pour l'instant j'ai pas spécialement de trucs à lui faire faire donc. Il y a des fois moi-même je sais pas trop quoi faire donc. En général, les parties sont bien avancées. Ah. Aïe, on arrive au bercail. Hâte de rentrer demain pour game un peu, tu m'étonnes. Ok, donc ça c'est fait. En plus, je suis pas dans le bon sens. On va aller se foutre là-bas.
Et là, il faudrait que j'arrive à faire un système, là. Un endroit pour vraiment mettre tous mes godets et tout. Là. Ah, moi aussi, je le fasse. Parce que c'est chiant, c'est Parce que là, il tout le y a... temps dans en la rack. ferme. Ouais. Je vais laisser comme ça. Tac. Et il n'y aurait pas un truc que je pourrais mettre? Genre, je sais pas moi, en déco, ouais, non, on n'a rien. Ouais, non, je sais pas. C'est vrai, en déco, on n'a rien encore. Non. Ou alors, je peux pas faire je peux pas. Il y aurait pas un truc là que je fasse un espèce de système. Peut-être avec un mur si je les mets côte à côte. Attendez, je vais essayer un truc. Ah oh, ça a toujours pas été corrigé, la zone interdite là. Oh là là, mais. On peut pas encore placer des trucs où on veut, quoi. Oh la loose. Oh la loose, oh la loose, oh la loose. Ah bah à moins que je foute mes. Ah bah je vais les foutre sur les planches là, là. Faut que je fasse un système ici, là. À la rigueur. Attendez, on va aller voir ça. Parce que j'en ai marre d'avoir les godets qui traînent. Ça manque les râteliers pour ranger les outils du Tesco. Bah ouais, ou alors. Là, tu vois, à la rigueur, je peux les poser là, là. Bam, 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 bam. Mais il faudrait que je dégage tout ça, là. Faudrait que lui, je le dégage, là. Que j'enlève les buissons. À la rigueur. On peut, ouais, on peut peut-être tenter ça. On va faire ça. Vous allez voir. La diffusion sera sur YouTube, oui. Ok. Alors, on va dessoucher ça. Ok. Ok. Là, on va faire construction. Perdu. Je suis perdu. On va faire ça là, tac. Hop. Voilà. Il était... Ok, lui il va falloir le dégager de là. Pas trop comment je vais m'y prendre par contre. Bon, on va prendre le JCB. Je vais le pousser. Hein. Je vais le pousser, je sais pas où. Oh là là, mais regardez-moi ça. Mais... Oh, mais j'en ai marre. Ah, j'en ai marre de ce volant. J'en ai marre. J'en ai marre. Contrôle Alt Sup. On va faire enfin, fermer le machin là. Ah, je vous jure, ça m'énerve. J'adore regarder tes vidéos. Merci beaucoup, Dylan. Tu aurais dû le faire disparaître directement avec la tronçonneuse. Ah, on peut ça? Je crois que c'était juste la souche. Bah, je sais pas, t'as le lumber... avec le lumberjack. Tu l'as installé? Je sais plus. Vérité. Non. Eh, mais c'est en train de me saouler, là. En train de faire une pyramide de pierre, je sais pas comment faire. Je sais pas pourquoi, moi, mon foutu volant, là, il gagne pas ses paramètres. Ça m'énerve. Oh là 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 là, ça me ferait péter les plombs des fois, je vous jure. Là, c'est bon, mais je fais un retour Windows et c'est sûr, c'est mort. Non, même pas. Oh là là là. Celui du coup achète JCB. Bah ouais.
Si tu l'as, tu n'aurais pas pu enlever la souche. Et donc en restant sur l'arme, ça l'enlève? Vous êtes sûr de votre truc là? On va voir. Ah ouais, bien vu les gars, bien vu, bien vu. Bah ça y est, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Impeccable. Et Hop voilà, là! et voilà. Regardez. Juste m'être servi de la tronçonneuse, ça me déconnecte le vol. Oh, je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. Il est ressorti, Ludo. Bon, bah ça va rester en volant mou, hein. Tant pis, hein. Ça m'énerve. Là, tu vois, j'ai aucune sensation dans le volant, tu vois. Ah ouais, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Bref, tant pis, ça va rester comme ça. Ça me prend de chou. Ok. Bah d'ailleurs, tant que j'ai le godet, je crois qu'il va falloir du grain en poule. Donc, on va s'en occuper. Hop, le chien est en train de monter la garde, là, tranquillou. Il est là, il est là. Mais Walter. Même pas. Il surveille le kiosque. On va pas prendre un godet entier. Il faut que tu ouvres Logitech G-Hub après que le jeu soit lancé. Ah bah non, moi c'est encore pire si je fais ça. C'est si je lance avant, ça marche. Mais là, vu que j'ai redémarré Farming, bah, ça a foutu le bordel. Ok, Oui, donc là, ils en ont eu assez. Ok, on va remettre ça là-bas. On roule pas en JCB, nous. On est pas bien là. Oh là là, quel bonheur. Joue clavier. Bon, non, c'est nul, jouer clavier. Puis si je joue clavier, vous allez voir quoi? Vous allez voir que ça. Regardez. En gros, le volant qui fait. Non, non. Alors, est-ce que mon truc va être fonctionnel ou pas là? Impeccable. On improvise. Oui. Ils ont peut-être changé avec la mise à jour. Ah, je pense pas, hein. J'ai toujours eu ces soucis-là, mais là, vu que j'ai redémarré Farming pour mettre les sous sur le compte, là. Bah du coup le volant il a dit non, j'ai pas envie ce soir, tu me laisses tranquille. Et même quand je mets un truc dédié pour le volant là pour farming, ça reste pas dessus. Donc. Graphiquement ouais, franchement il y a eu une belle amélioration niveau couleur, niveau luminosité et tout là. Bon j'ai quand même l'impression d'être sur FS22, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est quand même beau. Apparemment, ils ont changé la force du volant avec la mise à jour. Bah, manette, j'ai vu surtout, ouais. Merci Steven pour En follow. vrai, pratiquement, ça change surtout le matin quand il y a la brume et tout. Ouais. Ça, oui. Et dans la journée, en vrai, c'est pas non plus une folie, mais. Bah, dans la journée, t'es en plein milieu d'un champ, t'as l'impression d'être sur Ouais. Farming Simulator 22. Hein. Mais bon, c'est quand même joli. Là, moi, sans shader, je le trouve joli déjà, tu vois. Donc, ça va. Les couleurs sont belles. Bon, après, j'ai sur Nvidia, j'ai, tu sais, augmenté un peu la teinte, là, tu sais, des couleurs, là. Pour avoir des couleurs Madame, ouais, ça prend le coup. un peu plus jolies, quoi. Bah, là, on attend. Ouais, on va laisser le truc à palette, là. Je crois qu'il faut qu'on aille vendre une palette de pain qui est disponible. On va aller s'occuper de ça. Rapporter un peu de sous. Tac. Normalement. Ouais, elle est là. Salut MRT. Le matin et le soir, ça a changé. Ah oui, mais moi je parle en pleine journée.
Pourquoi avoir changé d'avis sur le télescope? Parce que c'est mon télescope, ça, de base. Ça, c'est mon télescope favori, quoi. Même sur, vous l'avez tous connu sur du Renoir, celui-là. Donc là qu'il est là, bah, j'en profite parce que je l'ai tellement kiffé que... Et puis là, au moins, j'y vois, quoi. Alors... « 3519, Des As, ça a cailloux. baissé. » Ouais. Hop. Il y a de la laitue à vendre, on va s'en occuper maintenant, comme ça ce sera fait. Les œufs, c'est pas encore prêt. La première heure du CB. Ah, il est qu'à 20 minutes. Oh là, mais il y en a de la laitue là. Maman. Alors vu que j'ai pas la masse à l'arrière, je vais pas pouvoir trop le charger. Ça me fait un peu peur au niveau de l'enrubannage. Mais bon. Oh, c'est tellement mieux au télescope en vrai. Oh là là. Tu vois beaucoup mieux ce que tu fais quoi. Ah ouais, ça respawn. Ah bah oui, ça spawn. Si toi aussi, t'as un seul filtre sur FS25 avec Nvidia. J'utilise pas les filtres Nvidia, moi c'est juste j'ai augmenté la couleur, enfin l'intensité de luminosité entre guillemets sur le panneau de configuration. Alors, Vas-y, je vais manger, je reviens. yes, bon app. Merci. Hop. Ok. Oh là là, là il y aura de la thune qui va rentrer les gars, je vous le dis. Pas critiquer, pas de critique, c'est pour moi qui suis conseil des personnes de connaissance. J'ai pas compris. T'as vu dans les prix de vente, ça a changé, c'est mieux organisé. Ouais, c'est plus clair. C'est plus clair. Même le mode saison, quand tu vas sur le calendrier là pour les SMI et tout, ils ont mis par variété entre guillemets. Genre ils ont mis les légumes. On va pas tous je crois mais. Par contre ouais les gars ça va. Si ça fait que spawn, j'y suis pour un moment là. Bon, après je vais pas me plaindre, hein. C'est des sous qui rentrent hein, mais. Alors, est-ce qu'il y en a une autre qui va spawn? Peut-être pas quand même. Hein. On va rester là au cas où, mais. Je pense pas. Hein. Empile les. Bah regarde. Pourquoi t'embêter alors que ça traverse la moitié de ta palette l'autre bout, tu vois. Et ça force pas dessus étant donné que tout le poids est déjà au bord de ton télescope. L'ajout de la distance des points de vente, je trouve ça top. La distance des points de vente, c'est-à-dire. Charger ton plateau. Bah ça sert pas à grand chose étant donné que je passe pas ici avec le plateau tu vois. Et donc m'embêter à le charger pour le redécharger juste là tu vois ça sert pas à grand chose. Voilà bon, tu me diras je perds du temps aussi à faire mes allers-retours mais bon. Il faudrait que je le vende de kiosque et que je le mette à un autre endroit un peu plus simple à la ferme quoi. Prochain achat, une nouvelle moissonneuse. Non, je dirais plutôt un champ quoi. Un champ, ce serait pas mal. Moissonneuse, pour l'instant, bah, j'ai qu'un champ à moissonner. Donc, puis, elle est déjà en 6 mètres 2, je crois, la barre de coupe de l'amasser. Bon, après, oui, il faudra quand même en acheter une. Mais c'est pas la priorité, là, ça va être champ. Mais... tu t'es mis en mode facile, difficile. Je suis en normal, moi, les gars. Déjà qu'en normal je galère, alors en difficile les gars.
Ah, quel bonheur d'avoir un télescope, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein. On n'a pris qu'un seul abonné depuis le début du live, ça va pas du tout, les gars. Je suis sûr, il y en a plein qui sont en train de regarder là et qui sont pas abonnés, les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein. C'est gratuit, profitez-en. Le jour où ça sera payant pour regarder les vidéos, les gars, bah, vous allez regretter de pas vous être abonné quand c'était gratuit. Il y en a vraiment qui jouent en mode difficile, les gars. Je trouve ça un peu trop galère, hein. Tu te fais vite chier après. Hein. Merci Timéo pour le follow, merci beaucoup. Quand tu vas vendre tes produits, c'est marqué les distances. Ah oui, je vois. Oui, c'est pas mal aussi. Oui. Que deux à vendre et on sera bien. Non, jamais en difficile, je trouve que ça enlève beaucoup de plaisir. Bah ouais, c'est ça. Déjà en normal, des fois c'est compliqué. Alors si tu te mets en difficile, j'aime comment t'as placé ta ferme. Merci beaucoup. Bon, après, elle est pas finie, les gars. Hein. C'est vraiment qu'un début. Hein. Mais bon, ce qui me bloque, c'est pas financièrement, quoi. Et encore, ouais, je sais pas si je vais vraiment le faire. À voir. On va y aller là, mais il y a une stabule en mode parpaing qu'ils ont mis. Bon, après celle-ci, je trouve qu'elles se font bien quand même dans la ferme. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est quand même sympa. Mais il y a elle sinon. Voilà. Après, on peut mettre que 32 vaches, mais bon, avec le parc après. Vous voyez, il y a celle-ci. Ah, mais elle est toute petite en fait. Ah, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut pas voir dedans un peu. Ah, ouais, voilà. Ah, doucement. Ah, elle est sympa aussi, non? J'ai une question, quelle est la plus rentable entre une langue bannée et de l'ensilage avec auto-chargeuse? Bah, ça revient au même. Ça revient au même. Mais je la trouve sympa. Il y aurait les taurillons. Bah on n'a pas les taux, on n'a pas les mâles encore, donc ça sert à rien. En plus il y a une barge et tout. Je sais pas, je verrai. Après celle-ci va bien quand même. Donc, on verra. Moins d'étapes. Bah, il y a moins d'étapes, oui. Après, il faut quand même que tu mettes en silo, que tu tasses et compagnie, quoi. Ouais, mais pour les vaches. Tu recharges tout au godet. En plus, ouais. Donc pour moi, ce serait plus l'enrubannage. Ok. Bon, bah là, on repasse à 51 000 euros, donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bah lui, je vais le mettre là. Je pense que là, ça devrait loger. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de mon petit endroit? Alors finalement, c'est pas mal. Au moins, ça traîne pas partout, quoi. Salut Jordan, salut les privés de Telesco. Non, il est sur King Mode, les gars.
Moi, j'ai entreposé mes cuves sur les bastingues. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. C'est pas bête. Merci Tiff pour le follow, merci beaucoup. Salut Capricieuse aussi. Pourquoi mes laitues ne spawnent pas? Il faut que tu mettes en. Il faut que tu mettes en stockage. Tu vois, là, t'as, en bas, il y a écrit changer de mode de production, tu vois, vente, distribution, faut que tu mettes en stockage. Titou, tu as mis le bâtiment de tes véhicules devant la serre, tu pourras condamner l'entrée. Condamner l'entrée. Là, là. Ici, là. Bonsoir, bon jeu à toi aussi. Je veux pas la condamner finalement cette entrée parce que je la trouve jolie. Donc. Même s'il y a le train, bah, il faut faire attention, puis voilà. Et oui, il y a eu la mise à jour, les gars. Soit, normalement, je pense que quand vous démarrez votre console, elle se fait toute seule, non, la mise à jour, par exemple, sur console. Par contre, les marques au sol, elles ont diminué, les gars. Là, ça fait repenser à FS22 où t'as l'impression que c'est juste des traits, quoi. Il n'y a plus de profondeur, j'ai l'impression. Il y a quoi qui a changé, s'il te plaît, mon PC, le port? Bah, si je dis tout, j'ai pas fini, mais j'ai mis l'info sur Discord, les gars. Puis après, si vous voulez savoir, les gars, vous allez sur le site officiel de Farming et vous lisez. Oui, pour la console, elle se fait toute seule. Ok. Donc, les gars, maintenant, au choix. Au choix, au choix, au choix. Soit on part faire quelques missions. Il n'y en a pas des masses. Ou soit, on ramasse tout l'enrubanné qui est là. Ça va être au Nolan. Ou soit on ramasse l'enrubanné. Alors, j'ai essayé aussi de faire des trains de tonnes pour passer l'engrais là. Bon, ne faites pas les trains de tonnes, les gars. L'écrasement des roues, regardez comment c'est hyper large. Regardez comme ce que ça a fait. Ça a tout niqué. Donc. Essayez pas de refaire des trains de tonnes. Les roues écrasent beaucoup trop large. Go ramasser l'enru année. Ça fait longtemps. Bah non. Donc c'est vous qui décidez, les gars. On va pouvoir peut-être. Ah, attendez. Tac, personnalisé. Nouvelle question. Quelle activité? Oula, j'ai marqué quoi? Activité. D'accord. Activité. Missions diverses ou ramassage de l'enrubanné. Ah, je peux pas écrire. Je peux pas. Bon, vous comprendrez. Tac. Démarrer.
Hop. Allez les gars, vous n'hésitez pas à voter pour savoir ce qu'on fait. Je compte sur vous. Le Stropole sera juste au-dessus de moi normalement. Salut Thomas. Salut, salut. Et salut Brandon aussi. Allez les gars, n'hésitez pas à voter pour ce qu'on fait. Déjà 5 votes pour le ramassage d'Henri Banet. Ça va toi Mickey? J'ai déjà enrubanné Damien. Il y a eu la vidéo tout à l'heure sur TikTok. 8 votes pour l'enrubanné les gars, 2 votes pour l'émission diverse. On continue à voter mais la question est vite répondue. Ça va bien, merci, impeccable alors. Petit nerf sur le prix d'émission de bois, mais ça va. Ah, ils ont baissé. Ils ont baissé le prix apparemment sur le chargement. Je sais pas s'ils ont baissé de beaucoup, mais apparemment ils ont baissé les prix. Et moi là, je crois pas que j'ai de mission de ramassage de bois. Enlèvement, désherbage, bois mort, non. J'ai pas. 19 morceaux, c'était 11 500, c'est descendu à 4 800. Ah oui. Ah oui, ah oui. C'est. Ouais. Quoi de neuf? Bah écoute, pas grand-chose. Tu mets plus la photo quand tu vas pote. Non, j'enlève la caméra au moins. 10 votes pour ramassage d'Henri Banet, les gars. Hop. Ça win, c'est tout bon. Et bah allez, on va s'occuper de ça. On va directement aller au champ. Je peux vraiment pas reconfigurer mon volant là, sans déconner. Non, il n'a pas envie. Il n'a pas du tout envie. Il s'affiche où ton sondage? Il est fini le sondage. C'est pour ça que tu le vois plus. Tu peux me dire ce que tu fais pendant une semaine car j'étais puni d'état. Ce que t'as fait, bah je t'invite à aller voir les vidéos, elles sont là pour ça. Tout simplement. Tu as pas pris le Fendt du coup? Non. J'ai repris mon. Il y a mon petit JCB que j'avais sur Durenroth qui est sorti sur FS25. Donc vous doutez bien les gars que ça a été mon coup de cœur ce petit télesco. Donc je garde celui-là moi. Et attendez-vous à le voir sur ma future partie perso. Ok. Eh bien, on va récupérer le JD. Ah, puis là, je monte dans ce tracteur, le volant est super dur, mais c'est incompréhensible. Oh. Meilleure visibilité, le Merlot que le Fendt. Bah, meilleure visibilité, le JCB, les gars. Après, c'est sûr que les autres font beaucoup plus récent. Lui, il fait un peu ancien, mais moi, j'aime bien. Ça va et toi, Nicolas? Et salut, William. En retard d'1 h 05, William. Tu vas pas être payé ce mois-ci. J'ai pas besoin de dételer. Je sais pas pourquoi j'ai dételé. Non, c'est bon. Bah, lui, on va l'éteindre. Tac. En fait, ça se trouve, c'est leur foutu truc là qu'ils ont fait là. Parce que le JD, mon volant est super dur. Et là, bah, le volant est super mou. Ok. Salut Théo. Le télescopique est très bien. Ah bah oui. Petit JCB là, je suis vraiment content. Franchement, je m'attendais pas à l'avoir de sitôt. Moi j'ai pas la simulation que tu as montré, celle en brique. Bah c'est un mode. Après si t'es sur console, c'est peut-être pour ça, il est peut-être pas sur console. Ah oui.
Je sais que pour ton problème de volant, je le règle directement du logiciel, sinon du jeu c'est mal fait. Bah moi c'est le logiciel l'important, mais je sais pas, il fait que se déconnecter donc. Dis-je une question pour FS25, PS5, tu me conseilles quoi comme volant? Bah je sais pas, moi je suis pas sur console les gars, je sais pas. J'aurais tendance à dire le G29 du coup, Logitech G29 quand même. Après il y a d'autres marques, genre Trousse Master ou je sais plus trop quoi, et je sais pas ce que ça vaut, tu vois. Ça se trouve c'est encore mieux que Logitech, je sais pas du tout. Telesco c'est un mode, oui, sur King Mode les gars. Uniquement disponible sur PC. N'hésite pas à s'abonner les gars, merci pour les 10 000 likes en tout cas, merci énormément. C'est plus pratique avec le télescope, bah oui. C'est tellement mieux au télescope les gars. Après, ça m'a donné du nerf pour l'avoir quand même. J'avais un défi de 8 hectares de labour pour l'avoir à moitié prix, et je me suis retrouvé à 13 hectares de labouré, tu vois. Demain tu live, oui. Que c'est pas tout à fait collé. Tu peux me dire le prix de ton télescope, s'il te plaît? 45 000 euros. Mais bon, il est pas bien fini encore, les gars. Il y aura une V2. Avec le moins 50 de la mission, oui. Bah, il m'a coûté 22 500 euros du coup. Toujours pas la mise à jour sur FSI, elle est sortie aujourd'hui la mise à jour. J'ai annoncé sur Discord, William. Il y a tout le descriptif de ce qu'ils ont corrigé. Toujours admiratif de ta qualité de chargement, c'est propre et efficace. Merci Seb. Voilà, je traîne un peu parce que ben, je lis le chat et tout, tu vois. Sacrée mise à jour d'ailleurs, ça fait du bien. Ouais. Bon après, il y a encore des bugs. Hein. Je vous l'annonce. Hein. Ils ont pas réglé le bug. Je sais pas s'il y a que moi qui l'ai, mais je pense pas. Mais par exemple, quand tu es avec la moto là et que tu roules vite, ben, les pneus ils deviennent transparents, bizarres. Bah ça n'a pas été corrigé. Mais bon, souvent après la première mise à jour, il y a une deuxième mise à jour corrective qui arrive. Donc là, je pense qu'on peut dans quelques jours s'attendre à une nouvelle mise à jour. Tu vas en mettre du temps à tout ramasser. Bah ouais, mais bon, IRL c'est pareil. Hein. Je suis désolé les gars, si vous voulez. Il n'y aura pas d'autoload d'ici les gars. J'aime tellement charger moi donc. Bon, rubanage c'est un peu plus chiant parce que t'as vu, même si tu casses ton angle, bah, t'as toujours la pince quand tu l'ouvres qui pousse tout. Mais bon. Merci mon Dieu, pas d'autoload, j'aime beaucoup. Bah oui, hein. Autoload. Je sais pas, moi là je suis là pour jouer à un jeu. Donc je le joue en entier quoi. Moi, c'est simple pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Vous savez que je suis anti-autoload, même si j'en ai utilisé une période quand même. Et anti-ouvrier. Alors, les ouvriers, les gars, c'est niet, niet, niet. Sur le 22, j'ai jamais mis d'ouvrier, les gars.
Enfin, quelqu'un qui comprend un jeu de simulation. Bah, c'est sûr que si vous voulez voir du gameplay où on charge les palettes à la main forte, les bottes à la main forte ou en autoload, bah, c'est pas chez moi que vous allez voir ça, les gars. C'est pas chez moi que vous allez voir des ouvriers se faire filmer, quoi. Sauf pour des petits plans de vue jolis à la rigueur. Mais comme j'avais fait une fois sur le 22, j'avais mis deux ouvriers, bah, un ouvrier pour le labour et je vous avais fait des petits plans de vue. Et après j'avais mis un ouvrier sur la moissonneuse et je vous avais fait des plans de vue, mais c'est tout quoi, ça s'arrête là. Sinon moi je fais tout moi-même. Là j'ai les bottes à ramasser, ben, je vais pas autoload quoi, je ramasse. Je ramasse parce qu'il ben, faut les ramasser quoi. Ben, sur YouTube, il y en a l'appel de ça, faudrait qu'ils réfléchissent comme toi sans juger. Ah bah ben, après tu sais. Les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais quand je vois tous les gens ébahis là sur des mecs qui jouent irréalistes ou qui jouent n'importe comment, moi j'arrive pas à comprendre. Et toi qui te fais chier à jouer réaliste, à montrer. Enfin voilà quoi, bah. Il y a moins de monde, mais bon. Il faut de tout pour faire un monde, mais oui, voilà, t'as tout dit. Ah bah après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je suis pas là pour juger. Ouais, tu vois, mais... Et merci Nico Manon pour le follow, merci beaucoup. Après, tu peux pas jouer 100% réaliste sur le jeu, c'est pas possible, tu peux pas. Mais un minimum, quoi, tu vois. Je stream pas ni rien, mais pourtant j'ai fait 359 bots à la main, j'ai mis 5h30 parce que j'ai pas. Je suis pas un pro. Ouais, bah ouais, mais au moins t'as le mérite de l'avoir fait toi-même, tu vois. C'est ça qu'il faut voir. Là, tu vois, mon chargement, bon, il est pas folichon, hein, tu vois, il y a des espaces et tout, mais on s'en fout, tu vois. Enfin, je l'ai chargé moi-même, tu vois. Le tien est propre, crois-moi, tu verrais le mien, tu pleures du sang. Bah, tu sais, c'est une habitude. Après, le mieux, c'est en vue intérieure. Après, il y en a beaucoup qui galèrent en vue intérieure. Bah là, il va falloir peut-être que je me consacre plutôt à celles qui sont là. Là, ça serait mieux plutôt que de partir là-bas. Mais moi, charger en vue extérieure, j'aime pas, quoi. Et bah, je le faisais avec le tracteur, parce que le tracteur, t'as pas la même vision, tu vois. Mais en télesco, les gars, que ce soit pour charger les palettes, charger les bottes, c'est une dinguerie quoi. Quand t'as pris le coup et tout, franchement, c'est une pépite quoi. Et puis je pense que pour vous, c'est satisfaisant de voir ça en vue intérieure. Après, faut, tu vois, faut prendre ton temps, pas y aller trop brusquement. Là, tu vois, petit bémol, c'est que là, je pense qu'elle est trop loin, tu vois. Tu vois, il y a un petit trou, mais bon. Alors, c'est peut-être pas tout à fait droit. Tu vois, c'est elle qui est trop décalée, là, tu vois, par exemple. Donc là, on va faire quoi? Bah, t'as vu ça, hop, tu refais une petite manœuvre. Et t'essayes de te la replacer comme il faut, quoi. Là, tu la pivotes là, tac, tac. Et hop, normalement elle est un peu mieux placée. Moi quand je fais ça, j'enlève la TH. Oui aussi. C'est mieux. Mais bon, il y en a beaucoup qui aiment voir la TH, beaucoup qui n'aiment pas. Donc moi je sais que quand je joue solo, hors vidéo ou hors live, je joue pas avec la TH quoi. Comme ça au moins je profite 100% de mon écran quoi. Là je peux vous enlever la TH, hein. Il faut juste que je me mette comme ça parce que. Bon. Hop, yo. Parce que sinon ça m'aurait relevé vu que c'est la même touche. On part avec ton télescope? Bah ouais, c'est magique là. Une merveille, C'est dirais-je. un plaisir quoi, je vais en chier de la botte, moi je te le dis. Il fait quoi ici lui?
Ouais, c'est agressif ça. C'est un peu méchant là. Et ouais. Moi, j'ai l'impression que ça te respecte pas trop là. Ah, je suis un peu agressé quoi. L'autre jour, il sait ce qu'il a dit. Tu sais pas ce qu'il a dit l'autre jour? Je m'en rappelle plus. Il a dit ouais, étouffe-toi avec ta raclette et tout, il a dit. Oh le bâtard. T'as vu ça? C'est vraiment un salopio Je te celui-là. jure. Non mais les Pour gens à dire l'attraper. ça quand Tourner ses angles morts, hein, dirais-je. Bon allez les gars, je retourne jouer de mon côté. Bonne soirée, pas de soucis Mickey, bonne soirée à toi. Mickey Mouse. Que pour changer vue intérieure c'est moins compliqué. Je continue à regarder avec le deuxième écran bien sûr. Ah ça fait plaisir. Ah mais vraiment Titou ça se fait pas, mais quoi ça se fait pas. J'avoue le étouffe-toi Non, avec c'est la. pas lui, c'est pas lui. J'avoue le étouffe-toi avec la raclette c'était abusé. Mais c'est William qui a dit ça. Wow. Que des balances dans ce stade. Ah ouais non mais. Oh, mais t'es feu, tu fais tout noir. Ta gueule. Pardon. Pardon. Excuse-moi. C'est quoi la TH? La TH, bah, c'est le compteur et tout, quoi. Sale. Je suis en train de pulver mes champs. Ah bah, nickel. Ouais, là-bas, il y a de la botte, il y a de la bobotte, il y a de la bobotte, il y a de la bobotte. Pas fini encore? Ah bah non. Et encore, j'avais oublié que j'avais mes deux à 18 litres. Ah Rentable celle-là. là. Il va me faire des millions là. Travaille bien Vincent. Allez, bonne soirée à tous, je vais travailler, pas de soucis mon petit Vincent, bon courage pour le taf, ciao. Bonne soirée. Ils prennent mieux? Ouais. Il est plus plus maniable. Plus maniable. Je pense que ça vient de l'écran. De quoi qui vient de l'écran? Voilà, des sentiments. Des cailloux. Va décharger les bottes. Laisse-moi finir de charger le plateau, peut-être, non? Ouais, t'as donné un non, carrément. Bah non, mais réfléchissez Il un peu, manquait les plus que gars. le point à la fin, et là, ça aurait été sérieux. Hein. Laisse-moi finir de charger, on veut décharger. Charge une botte, il va décharger. On recharge une autre. J'ai l'impression que les bottes de foin sont plus foncées qu'avant. Bah, je sais pas. Alors apparemment ils ont modifié aussi les bottes apparemment. De ce que j'ai cru voir. Elle veut, elle. Ouais. Ah oui, même la paille a l'air un peu plus foncée. Les gens sont agressifs. Bah ouais, je sais pas. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu?
Il va caler le Jendira. Hop. Alors elle est peut-être trop décalée. Merci Tim pour le follow. T'étais pas abonné toi depuis le temps. Toujours la politesse, Titou et Modo. Bah, c'est bien de la politesse un petit peu, non? Ça fait William. Dans ce monde de brutes là. Oula, mon chef, doucement. Calme-toi, calme-toi. Merci Fluxing pour le follow. Elle, c'est un tout petit peu décalé, donc je vais m'occuper de son cas. Merci YBSC25 pour le follow, merci beaucoup. Des cailloux, des cailloux. Est-ce qu'on remplit sur une autre hauteur ou pas, les gars? Un petit rang au milieu quand même. Un petit rang de milieu. Les enrubannées sont tellement plus belles avec le mode. Avec le mode balle ronde là, ouais, bah oui. Largement, les gars. Attendez. Je cache la cam 2 secondes. Je vapote un peu. Je bois un coup aussi. Hop. Je sais pas comment tu fais pour être patient comme ça. Bah, c'est le plaisir de jouer, tout simplement. Ça va et toi, Yoann? J'aime bien, toi, tu joues le plus réaliste. Merci beaucoup, Théo. Par contre, avec ce mode, ça bug les boudins dans Rubani. Ah! Ah, oui, c'est possible. Il y aura un truc qui va pas. Ça va et toi, Yoann? Moi, j'y arrive pas. Bah, c'est que t'as pas assez envie. Quand on a envie, les gars, on y arrive forcément. Après, il y a le talent, il faut le dire un peu quand même aussi. Ah, merci, ça. Pour une fois que tu me fais un compliment. J'en Oula. fais tous les jours, hein. Ah, bah, le J'en talent. peux plus. Il est pas mal, le talent. Hein. Voilà. J'adore ça, charger les bottes. Bah, ouais, c'est tellement stylé. Je pense que je vais décaler le tracteur là, on va le ramener un peu vers là quand même. Après cette botte là. Ça va être toi fidèle au L. Tu feras gaffe, bah tiens, il t'en reste au bord Ouais, je sais pas, c'est pas. Bref. Tu montes plus ta cam, les gars, quand je vapote, je monte pas la cam. Ça arrive. Hop, hop, là, voilà. C'est petit tout, est-ce qu'ils ont rajouté du matériel de base? Non. Moi, je sais pas, mais pour qu'il y ait eu aussi peu de matos, est-ce qu'ils prévoient pas un DLC? Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Oula, se sont poussés là. Oula, 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 c'est passé quoi. Un DLC gratuit, j'espère. Hein. Bah, c'était le season pass, oui. Oh, mais même, je veux dire, il y a du matos de qu'on avait sur l'ancien pour le mettre. Hein. Celui-là. Hein. Pourquoi elles se sont décalées comme ça là? Elles bougent même sur le plateau ou ça se passe comment? What? Qu'est-ce qui s'est passé hein? Seigneur. Et sangle bas d'abord. Attends, attends, attends.
Ouais, j'ai l'impression Oh, je le sens malin. qu'elle bouge même sur le plateau. C'est fou ça quand même. Ça va toi Théo? À l'autolo tu gagnes du temps, mais alors il y a zéro plaisir et ça met pas 3 heures de faire soi-même. Bah ouais, autolo de... Enfin, je sais pas, moi je suis là pour jouer au jeu de ce qu'il propose quoi. Tu vois, enfin, autolo de... Après chacun fait comme il veut les gars. C'est comme ceux qui cheatent et tout, bah, chacun son plaisir, tu vois. Mais... il y a une mise à jour DFS25, oui aujourd'hui. Elle te manque pas trop, les pinces MX, Bastien. Non, ça va. Ça va, ça va. Charge avec tout, moi. Attends, quand tu mets les sangles, t'as un bruit qui fait gizuc. Fais des sorts Pokémon Go. Alors, un petit JD, vu qu'il est éclaté là, qu'il la réparation, je suis à zéro. Est-ce qu'il va vouloir partir ou pas? C'est un JD, faut pas s'attendre non plus à des... Bah, bien sûr qu'il part. À des merveilles, hein. Ah, ça, si on ronronne pas un peu. Moi, j'aime pas trop charger les bots, je préfère charger les mélangeuses et tout. Chacun joue comme il veut, les gars. Ok. Non, je vais me mettre dans l'autre sens parce que sinon je suis gêné par la flèche pour voir où je suis. Il avait quoi dans la mise à jour? Mais les gars, vous avez juste à aller sur le site de farming et vous avez juste à lire, les gars. Et pour ceux qui sont sur mon Discord, vous allez dans Général et je vous ai mis tout le descriptif. Si tout, j'ai changé de compte, c'est pour ça que je me suis abonné. Ah, d'accord. Je me disais, c'est bizarre, ça me dit quelque chose pourtant, Tim. J'ai l'impression que plus ça va et moins mes bots sont au centre là. Mais bon, ça le fera quand même. Salut, c'est quoi ton télescope? JCB. Disponible sur King Mode. Oui, chacun ses goûts, exactement. Dès que je change de compte, je me réabonne, je pense à toi tout le temps. Oh. Merde, où ma botte? Je suis parti sans ma botte, moi. Bon, ça m'en reste. Je sais pas, c'est flippant. Il est là et t'envoie des messages carrément. Regarde l'écran au lieu du plafond. Montre le télescope. Il est là. J'aime bien comment tu joues, c'est réaliste, il y en a beaucoup qui les portent directement. Eh oui. Cabine qui se lève, non, ah bah non quand même. Bon. Peut-être pas déconner non plus les gars. On n'en est Ah, pas là. celui-là, il est encore à l'ancienne, hein? Là, on est plus sur une cabine qui se baisse au fil du temps. Là. C'est la nouveauté de JTB, C'est ça. Elle se lève pas, elle s'abaisse. Re-exotique.
Aïe aïe aïe. Allez, on va aller chercher celle-ci. Tu aurais pu prendre l'autre JD, il aurait mieux tiré. C'est vrai, mais vu qu'il était déjà attelé sur le plateau, bah, t'as compris quoi. Compte, il y a une espèce de cratère là. J'ai l'impression que les bottes bougent sur le plateau par contre. Info sûre. On va repartir. Que Au moins pas à vide. me dis, tu veux des cailloux, hein? Une carrière chez moi. Ok. Bon voilà le chargement. C'est Non. vrai Oh. que... Hein? Le bruit d'ébène, c'est vraiment stylé, par Ouais. exemple. Bon les bottes du haut sont un peu décalées mais bon au moins c'est chargé quand même. Je suis vraiment content qu'ils ont sorti le JCB. Bah j'en connais un autre. Hein. Il y a quelques cratères. Ouais j'ai l'impression qu'elle bouge quand même sur le plateau. Donc à voir par la suite. Là, je pense que le plateau qu'on vient de charger, c'est seulement ce que je vais garder. Et tout le reste, je le vendrai. Parce que les buffles, bah, ils consomment pas des masques. Regardez si ça produisait plus de fumier. Non, j'ai pas regardé. Étant donné que j'étais bloqué à 399. Je vais tout dire ça. Je préfère charger des bottes rondes à autoload. À autoload ou charger des bottes carrées. Bah déjà je préfère pas l'autoload et je préfère les rondes que les carrés. Vu le petit tas que j'ai, je pense que... Ouais non, je suis toujours à 304. Donc là il y a encore le bug du spawn du fumier les gars. Même avec l'extension, ça spawn quand même pas. Bon, moi je suis bloqué à 399 alors que normalement il reste de la paille. Hein. Donc ça pareil, ils l'ont pas corrigé. Ouais, il reste de la paille. La paille, il reste 19 000 litres. Donc le fumier, les gars, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. En vrai, si elle bouge plus dans le bâtiment et qu'elle bouge sur le plateau, c'est bête. Ouais, je pense qu'elle bouge rien. Elle bouge encore dans le bâtiment. Tout à l'heure, je me suis approché, elles ont commencé à bouger. Déjà, rien, tout s'est cassé la gueule. Il va falloir que je recharge là. Et rien. Je sais pas si tu vas voir. Rien comme elle bouge. T'as vu? Rien. Là, je fais rien. Rien comme ça bouge. Vous voyez ou pas le chat? Regardez comme ça bouge. Regardez. Et je fais rien. Et j'ai pas la main forte ou quoi que ce soit. Donc ça n'a pas été corrigé. Ma foi. Salut toi, tu pourrais m'aider pour jouer sur sur ta ferme que tu as créée. S'il te plaît, merci d'avance. Comment ça, je pourrais t'aider? C'est-à-dire. Alors, le JD. Let's go. Salut, est-ce que sur console tu sais comment on enlève la limite de balles? Tu peux pas l'enlever, t'es limité en balles. Ouais, je suis riche. Combien? 27 000 euros. Waouh, je suis riche, 51 259 euros. Ah ouais, t'as trop de la chance. D'autres questions? T'as un crédit? Allô? Ouais. Ouais. Ça Allo, va? Ouais, là c'est bon là. ah, Bon.
Ça va? Ouais, il y a eu des interférences, Ouais, c'est je suis sûr. passé sous un tunnel. Ah ouais. Ouais, j'ai 60 000 de crédit, bon. Pour y jouer dessus car j'ai été chargé, mais je l'ai pas dans mes sauvegardes. Bah, si t'avais suivi la vidéo, tu l'aurais dans tes sauvegardes. Je veux bien faire des efforts, les gars, mais enfin, suivez les vidéos, quoi. Je fais pas des vidéos pour rien. Alors, là, on va faire quoi? On va faire le tour du lavoir. Hey, William, il t'a posé une question intéressante en vrai. Hein. Je vois pas de message de William. Suffit juste de placer tes balles dans un bâtiment, Matisse. Mais oui, c'est vrai, Seb, il a raison. T'as le mode chargement autoload, je sais plus trop quoi. Tu vois un message de. Et merci, Seb, pour les GG x5, merci beaucoup. Tu vois les messages de William, toi? Ouais, mais j'ai du mal à lire. Non, moi je vois pas de message de William. Oh. Ah, tu l'as vu là? Non, 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 dernier. pas. Non, dernier message, c'est Seb. C'est vraiment dommage que ça ne rembourse pas le crédit avec des intérêts comme en réel. Bah oui. Bah après tu payes des intérêts tous les soirs, hein. Enfin toutes les nuits. Hein. Salut William, comment ça va? Ouais, ça fait longtemps, William. Putain, On ouais, a cru que tu c'est. t'étais perdu. J'ai cru que c'était ton Ouais, je pote fais plus VIP. jamais ça. Hein. Tu payes les intérêts, mais ça rembourse que dalle. Ah, bah oui, ça c'est sûr. Oui, ça y est, je vois que tu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pas bête, pas bête. Mais je crois qu'il y avait un mode. Enfin, c'est pareil, c'est un mode, mais. Bah, le truc des emprunts, non. Bah, l'One System, là, oui. Ouais, voilà. Bah, vivement qu'il sorte lui aussi. Il y a trop de modes qui vivent qui sortent. Hein. Comme le réel dirt et tout. Merci Clem pour le follow, merci beaucoup. Que penses-tu des crédits sur FS25? Il y en a pour longtemps pour rembourser le tien. Franchou, il y a des interférences. Je pense qu'il y en a pour au moins toute la série. Je pense qu'il y en a pour Farming Simulator 27. Voilà. Non, bon, en vrai, vu que vous, Yeah. voilà, vous voulez savoir, parce que vous êtes vraiment des sadiques en fait. Oui, j'ai un crédit, 290 000 euros. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il tout? C'est tout? Putain, mais tu retires au moins 30 000 par nuit, non? Même pas. Bah non, tu payes pas par oui, faudrait que je rembourse un peu. Quand même. Mais bon, j'ai tellement de Mais trucs à bon, acheter que merde, quoi. tu vends tout ton huile, c'est remboursé. J'ai plus d'huile, ça y est, c'est fini l'huile. T'as plus d'huile, c'est fini! Ah, plus d'huile. J'ai que de l'eau. Ouais, Allez, va te mettre là où tu veux que je me mette là. Que je te mette. Pêche-toi là. Bah, ce qu'il y a, c'est que tu as un crédit de 280 000. j'avoue que si, hein. Qui Ben, et alors? qui va faire quelque chose? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire? Le problème c'est que Titou il joue trop roleplay, il se croit que. Ouais. Bref. Vas-y, viens à la ferme, tu vois. Je t'attends. Il y Dans a le jeu, il dit sur crédit. Mufasa qui va te bouffer, t'inquiète pas. Manuel Attaching. Aussi. Merci Victor pour le follow. J'ai le merlot à moins 39%. Achète. J'ai que 27 000. Hein? J'ai que 27 000, je suis.
On va aller la bourrer, hein. Merci Antoine pour le follow. Tu m'attends avec combien de sous? Là, là? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, hein. Le temps que t'arrives, il va y avoir des affaires, hein. Bon, pourquoi il va pas s'y mettre là? Je comprends pas. Tu vas y aller au fond, oui? Ouais, c'est bizarre un peu Ouais, c'est un peu bizarre ma phrase. Désolé, si vous êtes écouté ça en podcast, c'est chaud. là. Ouais, bizarre. J'avais pas pensé à la situation. Parce que les gens qui ont juste l'audio, Ouais, c'est. il y en a peut-être beaucoup, hein. Quand j'ai vu les télescos en mode, j'y suis direct allé le reprendre. C'est vrai? Ah, vous me connaissez à ce point, les gars. En même temps, c'est comme si vous aviez votre tracteur préféré de FS22 qui déboulait là sur FS25. Vous allez faire quoi, les gars? C'est bien parce que t'as commencé à rigoler. J'étais en train d'aller sur King Mode. J'ai vu le mode, je me C'est vrai. dis ok. Juste falloir la repousser un peu, ça va peut-être la rayer, mais on mettra un peu un bout de scotch. Voilà. Titou, je comprends pas que l'on puisse faire des crédits de 280K. Bah, et pour survivre, mon chef. Eh oui! Encore, c'est pas fini, hein! En plus, je sais même plus pourquoi j'avais fait un. Ah, bah si, c'était pour la stabule. Pour que. Ouais, la stabule, elle coûte un bras, Bah ouais, pour qu'au final, les buffles, bah, elles aient les tétines bouchées, quoi. Donc elles font du Didier, au moins? voilà. Ah ouais, le lisier, elles en font, Ah! Peut-être qu'ils produisent que du Didier! je sais pas, mais. Peut-être qu'il sait jamais, que pitié. Était genre novembre. Salut Matisse. J'aime bien la couleur des bâches. Ouais, j'aime bien aussi. C'est sympa. Ah, mais encore hyper décalée, c'est un truc de ouf. On a pris les mêmes. Tu m'as recopié, c'est sûr. Elle aussi, mais pourquoi elle se décale comme ça les balles? Oh là là, l'enfer. C'était bien rangé, hein. Elle. Bam. Bam. Ah, doucement. C'est vrai qu'il est un peu sensible le télescope au niveau de la flèche là. Ça doit être ça, Nono, j'ai. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Les buffons, je les ai vendus, ah ouais. Wesh. Bah en vrai, je crois que ce soit vache ou bufflonne, elles mettent longtemps à produire le lait, donc. Donc bon. Il y en a, est-ce que le chat là, il y en a parmi vous qui font de la vache laitière, genre je sais pas moi, la Angus et tout là dans le jeu? Ah mais prends la botte là mon chef. Est-ce que le lait il est là vite ou est-ce que bah, c'est pareil, ça met longtemps? Ça prend hyper longtemps. Ah bah. J'espère que ça va être corrigé bientôt, ça aussi. Ça veut dire que pour l'instant j'ai des buffles, mais elle me coûte plus d'argent qu'elle ne m'en rapporte, quoi. Bon. Chiant, quoi.
chelou, j'ai un craquement dans le volant. C'est trop bizarre. Au pire, tu les arrêtes. Bah, mais rien, je suis en train de tout préparer pour, tu vois, donc c'est chiant. Faut faire des vignes. Je vois pas si ça rapporte les vignes. Je sais pas. Moi je vais juste tester la Grégoire. Il est pas serré, mon volant, ou ça se passe comment? Je suis dégoûté, le volant farming apparemment il va pas sur PS5. Alors là, je sais pas. Je vois. Elles vont finir en réforme. Ah, on va éviter les gars. Mais c'est dommage en vrai. C'est dommage que ça, il est toujours pas corrigé. Salut, elle est plus dispo la vidéo où on récupère ta ferme. Bah si. Tu vas sur ma chaîne YouTube, tu regardes dans l'onglet vidéo, tu vas la trouver. C'est sur quelle vidéo, s'il te plaît? Bah, je t'ai dit, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu regardes dans l'onglet vidéo. Ça doit être la deuxième ou troisième vidéo. Ça doit être une ferme, ouais, une ferme face anti tout. Tu peux faire des prêts sur farming, bah oui. T'as pas de crédit, toi? Moi? 60 000. Ah, ça va. Oh, ça va. Mais je pense que je vais faire des... Des vaches à viande, même. Et vous en pensez pour Ça vaut l'instant là? tellement cher, cette abuse. Salut Rectorm. Je vais me ruiner. Merci pour les 14 000 likes les gars, merci beaucoup. Nouveau télescope, et ouais. Bah, en vrai j'en ai un peu chié pour l'avoir parce que bah, le défi du labour les gars. C'est propre. À quoi sert de rubaner? Bah, pour faire de l'ensilage pour tes vaches. Et dire qu'il aurait pu l'avoir sans le défi. Grave. Mais bon. Au moins j'aurais eu le mérite de l'avoir, tu vois. Je me serais battu pour. Oh, j'aime pas ces charrues semi-portées. Les bots se pètent la gueule, c'est chiant ça. Bah oui, ça change pas ça. Faut mettre sur 3 dos, ça tient. Après, en rubanage, je crois pas que ça tombe des masses parce que bah elles ont plus de poids. Tu fais jambe 2, mais du coup. Tu fais Ah, jambe 2? Ah, jamais de maïs? Non, jamais. Le maïs que je fais, moi, c'est que en grain. Et si je fais de l'ensilage en silo, c'est ensilage d'herbe à l'autochargeuse. catastrophe au labour.
J'ai pas droit. Je suis pas sûr que j'ai pas le GPS. Hein. L'enrubanage, je remplace le maïs. Bah oui. Allez là, mets-toi où je veux que tu te mettes. Il est sur console le télescope, non. Uniquement PC les gars. J'ai plus de remettre oui le truc là. Et les molles, ils sont pas foufous deux fois. Oh, c'est obligé de tout me décaler, hein. C'est un truc de ouf. Si tu me conseilles plutôt un G29 ou un G920 pour PS, FS22, PS4, pas le G29 du coup. G920 c'est Xbox. Celui qui va à ta console, hein. Ça fait longtemps que t'as pas live, non? Bah hier soir. Y a 24 heures. C'est ça. Oh. N'hésite pas à s'abonner les gars en tout cas. Il live tous les jours sauf imprévu, exactement. Il est parti, Willy? Apparemment. Willy. Merci, trop trop rigolo pour le follow. Ah T'as la putain. bonne époque, hein? C'est l'âne trop trop. L'âne trop trop. L'âne trop T'es trop trop rigolo. rigolo. Mais j'en ai deux qui sont cassés la gueule. Ça commence. Elles ont fui le plateau. Ils sont bien baissés le prix des contrats de transport d'armes. Ouais. Oui. Freine, freine, freine. C'est cadeau, ouais, mais du coup, je l'ai dans la tête, tu vois. Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Et tu peux toujours prendre l'eau dans les rizières ou pas? Mais bon, moi, ça me sert plus à rien, étant donné que j'ai Moi l'irrigation. aussi je l'ai mis là. Je l'ai mis. Ouais, sinon t'es tout le temps à la tonneau, quoi, c'est chiant, Ah ouais, tout le... dès que tu passes une nuit là.
Allez. On arrive à la dernière botte. Et tout le reste qui reste au champ, les gars, ça sera pour la vente. Que là, j'en ai bien, 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 bien assez, hein. Ils mangent moins maintenant les vaches, non? Ouais, j'ai l'impression. Un peu mou. Oula. Un peu moins réaliste, je trouve. Ouais. Bon, les gars, je Bon, moi, veux c'est une surtout les note. poules. Ah, les poules, ouais. Je veux une note pour bah, mon empilation. Je sais pas si on dit ça comme ça. Crois, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien rangé ou pas? Ça fait joli, non? Quand tu mets des bottes d'enrubannage dans une ferme, ça apporte tout de suite du charme, je trouve. C'est bien là, non? 10, De toute 8,5. beauté, hein. 10, ah merci, merci. Salut, tu es à la souris ou joystick? Là, je suis à la souris. Mais j'ai le joystick qui est là. Mais bon, je ne l'ai pas encore paramétré. 11 sur On 10, sortit merci. carrément. 10, 10, merci, Ah, merci, ça va. merci. Ils veulent pas le faire ban. Non, franchement, c'est top, hein. C'est top. Avec mon petit télescope là. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la beauté, les gars. Merci Polo. Et ouais, tout le reste là-bas, bah, ça sera pour la vente, hein. Donc c'est soit je regroupe tout dans un coin du champ, hein, et dès que ce sera bon pour le prix de vente, je pense c'est plutôt l'hiver à mon avis, hein. Mais bon, il reste pas grand-chose après, tu me diras. Il en reste une toute seule là-bas, il reste ouais plus que ça. Donc ou alors je mettrai dans un coin à la ferme. Parce que là, j'en aurai largement assez. 10 sur 20. Non, je rigole. Ah oui. Bon, après, Ah, j'y aurais rigolez pu, hein. pas. Mais voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est stylé. Maintenant que j'ai mon télesco, je vais pouvoir bah, virer la pailleuse, la mélangeuse pour recharger mes bottes comme il faut, là. Parce que vu qu'elles se sont cassées la gueule. Remettre un peu de à jour tout ça. Voilà. Mais non, franchement, c'est top. C'est top, c'est top. D'ailleurs, il leur reste quoi à bouffer là? Nourriture. Ah oui, 616 litres. Près 11 000. Ok, bon, bah, ça encore. Il faudra que je prévoie une mélangeuse quand même. En vrai, la paille, par contre, bah, ça a rien d'en mettre en fait là. Et le prêt, ça augmente 100% la productivité? Enfin. Non, t'as que 40% d'efficacité quand c'est l'herbe du pré. Ah oui, voilà. Faut quand même leur donner un peu de mélanger. Ouais. Santé, je suis à 100%, reproduction 50%. Mais moi, ce qui me saoule, c'est qu'elles produisent pas de fumier, quoi. Donc la paille, en vrai, ça sert à rien. Pour l'instant. En espérant qu'elles restent debout. Bah, j'ai jamais vraiment eu de soucis, moi, avec les bottes d'enrubannage. Vu qu'elles sont plus lourdes. Ah, par contre, merde, ça dépasse le rideau, ça. C'est pas foufou. Bon, bah, tant pis, hein. J'avais pas prévu. Et on rentrait la vache qui était dans le. Ouais, elle y était pas, là. Elle y était pas. Bon, ben voilà les gars. C'est FS25, oui. Hop. Bon, ben écoutez les gars, ça m'embête de vous quitter parce que vous êtes 80. Mais bon, c'est comme ça fait déjà 2 heures de live. Ah ouais, quand même. Ben, il y aura la rediff sur YouTube pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas lu le live, qui n'ont pas eu le live en entier, les gars. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, Titou, TYTO, c'est le même logo qu'ici. N'hésitez pas à vous abonner par la même occasion. Et la rediff de ce live, les 2 heures de live seront sur YouTube d'ici une petite heure, je pense. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu, les gars. Merci pour les cadeaux, merci pour les abonnements, merci pour votre présence. J'espère que vous avez kiffé. Et puis, ben on se retrouve demain soir pour un nouveau live. Et voilà. En attendant, n'hésitez pas à ben, aller voir aussi la vidéo du labour sur TikTok. Et voilà. Ah, c'est déjà mis longtemps la tournée, celle-là. 1 heure de tournage, les gars, pour la vidéo de labour. Pour la rentabilité. Ouais, ça serait cool.
À demain Titi, bonne soirée, bon appétit à toi aussi Toto. Allez, Allez les gars, je vous laisse, YouTube aussi, on se laisse là, je vous souhaite à tous une bonne soirée, ciao tout le monde.